Bonjour à tous, nous voici pour la semaine du 7 octobre 2024 pour nos amis cancer et ascendant cancer bien sûr. Alors on va regarder tout de suite ce qui va vous arriver pour la semaine du 7 octobre. Donc amis cancer, vous serez en justice. Ça c'est votre état d'esprit, en soleil pour l'affectif, en tempérance pour les finances, au niveau professionnel en mort et au niveau donc du moral. On a tout, on va dire, c'est la lune. Alors, qu'est-ce que cela indique? Cela indique qu'au niveau donc, de votre état d'esprit, vous serez en justice, c'est-à-dire que vous vous rendrez justice, ami cancer. Vous aurez certainement besoin de faire peser les choses, la balance en tout cas en votre faveur. Et donc, ça va se faire certainement pour certains avec des décisions de justice. Ça peut être vraiment la justice en tant que procès, en tant que contrat, hein, ça peut être ça. Mais ça peut être aussi que vous avez l'impression qu'on a un petit peu abusé de votre générosité, de votre gentillesse, et vous avez envie, enfin, de faire peser les choses de votre côté. Donc voilà, donc ça, c'est l'état d'esprit, la justice. En ce qui concerne donc tout ce qui va être affectif, vous êtes en soleil. Donc le soleil, c'est l'amitié, l'amitié partagée, les sentiments forts au sein d'un couple. C'est vraiment tout ce qui va être amicalement chaleureux, amoureux. Donc voilà, je pense que pour vous, amis cancer, ça se passe bien de ce côté-là. Au niveau finance, la tempérance indique finalement un équilibre qui se fait assez naturellement dans vos finances. Ça va, c'est ni bien ni mauvais cette semaine, ça va, c'est calme quelque part. Au niveau donc professionnel, il va falloir que vous mettiez des choses à plat. Il va falloir avec la mort que tout simplement vous réussissiez à peut-être prendre un nouvel essor, un nouvel élan. Je pense que pour certains d'entre vous, c'est le moment de remettre les choses à plat, de voir si vous ne devez pas évoluer vers quelque chose d'autre. Et enfin, donc, votre atout, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la lune. Donc, la lune, c'est très grande intuition, une intuition très développée. Donc, faites confiance, donc, amis cancer, à vos intuitions en général, ou à votre intuition, peut-être qu'il n'y en a qu'une, peut-être que, voilà, vous aurez la certitude, une certitude sur certaines choses. Donc, faites-vous confiance entièrement. Soyez à votre écoute, hein, ce qui est le mieux pour vous, ce que vous sentez le mieux, ce qui est le plus évident pour vous. Voilà, bah écoutez, je vous ai tout dit, je vous souhaite donc une excellente semaine et à très bientôt.